Oh, dis donc, ça va pas fort, toi. Oui, non, non, ça va. Et tu sais, Magali, on n'est pas des machines. Si t'as des problèmes personnels, on peut en parler. Je préfère pas, non. Si je te dis ça, c'est pour toi. Ça fait plusieurs jours que t'es en dehors du coup, et moi, si mon équipe n'est pas au top, je tiens plus mes objectifs. Bah, en fait, j'ai eu déjà pas mal de difficultés avec le projet Roland, et maintenant, je sais plus où je vais. Attends, tu plaisantes, ils sont chauds bouillants. Tu vas signer, c'est sûr. Ah ouais, il y a ça aussi. On n'a aucune certitude sur la décision. Ah bah ça, si tu n'avances qu'avec des certitudes, faut changer de métier. Non, sérieusement, s'il n'y a que ça, tout va bien. Quoi, y a autre chose? Bah, le fond du problème, c'est pas de savoir si ça se fait ou non, c'est qui le fait. Ce que t'as dit la semaine dernière en réunion de groupe. Oui, quand t'as parlé de la gestion. Si je réussis à lancer le projet, je suis pas sûre que tu me confieras la mise en œuvre. Et franchement, je vois pas pourquoi je me défoncerais si c'est pour le donner à Solène ou Marie. Attends, j'ai dit ça pour calmer la division. Mais attends un peu, Cannes, lise mon rapport, elle va vite comprendre que tu es la seule à pouvoir le gérer. La réunion de groupe, c'est juste une tactique, c'est monnaie courante. Non, crois-moi, je mettrai toute mon autorité pour que tu gardes le bébé. Pas question qu'ils le prennent à la compta. Mais en même temps, ils sont mieux placés. T'inquiète, fais-moi confiance, j'ai suffisamment d'appui. Bon, en attendant, il faut que tu te remotives pour boucler le projet. Pas question de baisser les bras, je compte sur toi. À toi de trouver les ressources pour tenir. Tu dois rester professionnel en toutes circonstances, hein. Allez, on y croit et on gagne. Merci Magali.